Ok, je pense que la première chose que je dois dire, c'est dire félicitations à notre équipe pour comment travaille l'équipe, pour la manière de continuer quand il y a beaucoup de situations négatives ou situations qui sont difficiles de gérer. Je pense qu'aujourd'hui l'équipe a montré le caractère, a montré la capacité compétitive, a montré le désir de toujours travailler. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs se les doivent donner une grande félicitation pour la manière qu'il a continué dans les matchs. Un match très difficile, un match contre un grand adversaire. Aujourd'hui, nous avons joué contre les champions de la Coupe du Tron, les champions de la CAF contre les champions de la Coupe du Tron. C'est clair qu'il y a très grande équipe dans le terrain, un match très ouvert, un match très difficile. Le début de match nous avons joué, je pense, avec une idée très offensive, avec une équipe avec beaucoup de joueurs attaquants pour aller pour le match. En un match comme ça, c'est clair que c'est un match ouvert, aller-retour. C'est clair que le premier but peut être décisif dans le match. C'est vrai que le début de le match, je pense que Berkane a travaillé bien la pression et pour nous c'est un problème quand il a fait bien le début de match. Mais notre équipe a commencé à chaque fois à jouer plus. Je pense que la deuxième part de la première part nous avons fait des chances de but, un possible penalty, je pense sur Takaria Hadraf. Nous avons commencé à gérer bien le match. La deuxième mi-temps, nous avons Elias pour blessure, la substitution et après. Malheureusement, il y a une action qui c'est le but de Berkane. Et c'est clair que dans un match comme ça, le premier but change beaucoup le match parce que c'est un différent très important. À partir de ça, Berkane peut travailler plus la part défensive et les contre-attaques. Nous devons travailler seulement l'attaque placée et avec le péril, avec le danger de les contre-attaques de Berkane. Mais il y a une action qui c'est le carton rouge pour Valverde, qui c'est aussi un autre problème important pour nous. L'équipe avec 10 joueurs dans cette situation, je pense que ça c'est le moment pour donner la félicitation à l'équipe. C'est le moment avec 10 joueurs, avec une situation très difficile, l'équipe a continué, tous les joueurs qui sont dans le terrain, tous les joueurs qui sont dans le banc. Toute l'équipe ensemble a travaillé beaucoup, toute l'équipe ensemble a continué, penser que c'est peut récupérer le résultat, cette chance, le but pour le match nul. Finalement, je pense qu'aujourd'hui, avec beaucoup de situations de blessures, de beaucoup de situations difficiles de gérer, avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas ici aujourd'hui, je pense que l'équipe a travaillé très très bien, a travaillé jusqu'aux les dernières minutes, se battre dans les dernières minutes. Et moi, personnellement, ce que j'ai demandé à l'équipe, c'est toujours se battre jusqu'aux les derniers ballons de les matchs, et ça, c'est ce que l'équipe a fait aujourd'hui. Alors, je dois dire félicitations. Merci coach. Question coach. Question pour le matin. Alors, vu l'intensité des matchs que vous disputez, des fois d'un décalage de un jour, deux jours, vous jouez un match. Comment vous allez faire pour gérer tout ça? C'est un calendrier impossible. C'est une situation très 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 difficile de gérer. Il n'y a pas une formule mathématique pour gérer ça. La partie importante sont toujours les joueurs, sont les désirs, sont la vie personnelle, la professionnalité. En cette équipe, il y a beaucoup de joueurs très, très, très bons professionnels, avec le désir de gagner, le désir d'être un bon professionnel de football, le désir de jouer bien le football. Alors, ça c'est l'unique clé pour ça, c'est les joueurs. La vie, le repos, la nourriture, le dormir, le désir de gagner, le désir de continuer, la motivation pour un autre match. C'est un calendrier impossible. C'est impossible, c'est normal qu'il y ait la blessure parce que quand tu joues beaucoup de matchs, c'est un match chaque trois jours. C'est normal qu'il y ait des joueurs que c'est pas possible qu'ils continuent. Alors aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne sont pas ici pour la petite blessure d'une semaine, deux semaines, qui a joué, a donné le niveau, a travaillé bien. Alors, nous devons dire félicitations à toute l'équipe parce que ce n'est pas un jour facile parce que parfois Imra, Muller, Saad, il doit jouer aujourd'hui. C'est difficile jouer en cette situation et il l'a fait aussi très bien. Alors, je pense que l'équipe a travaillé très bien. Alors, deuxième question. M. Galindo, lorsque Ben est sorti, est-ce que vous n'avez pas perdu espoir?
je pense que ça c'est la partie importante. La partie importante c'est qu'avec le carton rouge de Valverde, c'est normal que toute l'équipe pense que le match est fini, mais l'équipe, toute l'équipe, qui sont le terrain, qui sont le banc, le staff, toutes les personnes qui sont dans l'équipe, là-bas nous avons pensé que c'est peut continuer, je pense que l'équipe a continué. Je pense que ça c'est le grand valeur de l'équipe aujourd'hui, continuer avec beaucoup de situations difficiles, continuer. Nous avons récupéré un point en une situation impensable. Alors, je dois donner la félicitation à l'équipe de continuer contre l'adversité. Monsieur Coach Karim. Bonsoir Coach. Pour vous, est-ce que c'est un point précieux vu les circonstances, la superficie du stade, plus les absences? Est-ce que c'est un point précieux pour le Raja? Ah, aujourd'hui, si nous devons faire une valoration de le match, c'est clair que le match s'est perdu. En un moment de le match s'est perdu. Alors, faire le but, c'est récupérer un point. C'est clair que nous voulons gagner toujours. J'ai dit que la clé de le match, c'est faire le premier but. Nous avons fait une équipe pour faire ce premier but. Nous avons aujourd'hui joué avec beaucoup de joueurs offensifs. Alors, si c'est Mercanti a fait le premier but, se torna très difficile la situación, pero yo pienso que se ha recuperado un point contra la adversidad. Se doy a donar la felicitación al equipo por ese carácter o por esa actitud, por recuperar ese point. Toujours nous sommes contents de la victoire, c'est clair. Coach, vous avez dit que les joueurs de la RSB, ils sont athlétiques, et ce que le fait de jouer dans un petit terrain, le Père Gévaud, vous a un petit peu posé quelques problèmes. Le terrain, c'est magnifique. Le terrain de Père Gévaud, c'est magnifique. C'est un terrain, une pelouse magnifique. C'est un terrain impeccable pour nous, magnifique. Qu'est-ce que c'est vrai? C'est que pour nous, pour notre club, ça c'est une situation très très difficile de gérer, parce que pourquoi nous ne pouvons pas jouer à notre terrain? Notre président, la notre commission, qui fait un effort très très grand pour avoir une situation financière stable, maintenant perd la chance de la billetterie, que c'est important pour faire le jeu. Nous, l'équipe, perd la chance de jouer dans notre stade avec notre public. Raja sait ce que c'est pour le public. Si tu joues normalement avec 40 000 supporters et maintenant tu ne peux pas faire ça, je pense que ça c'est contre le football. Je passe encore comprendre pourquoi c'est dans cette situation, parce que nous avons un terrain magnifique, un stade magnifique. Je pense que nous devons jouer à notre stade. Mais le terrain d'aujourd'hui, c'est magnifique. La pelouse, c'est magnifique. Et c'est un terrain fantastique pour jouer au football. Merci. Coach. Bien. Coach, quel est le bon cas? Je m'excuse pour l'intervention. C'est énorme. On est tous là-bas. C'est un peu une image. Nous avons un problème de points. لأن فيتي مو فيتينا أكثر من ماتش لأنهم لعبنا بدون فينا فينا في صنف لا كوبارا كان قريبا سبعين سنة كي ماتش عندنا بزاف ديال نقوصي عندنا دي بليسيو الرجاء لا ميم شوز مي لو ماتش كيما شفتو تقريبا واحد 75% كان دوميناسيون ديال ار اس بي كان يمكننا نسجلو لا بخومييغ ميتون ديال تخوات ميتون كنا نعمل هذا مي دومين سي با غاني اون ميريت le nul, on mérite Zamakin, c'est bien. C'est bien, 3 points, on a raté beaucoup d'occasions sur la Bacou de jour. Anani, quand nous sommes du jour, la surface de réparation, pas le savoir faire, le dernier tir du terrain. Donc, Marocra, félicitations, c'est bien, les joueurs, le RSP, le Raja. Donc, je m'en souviens. الحكم ما عرفش بالضبط الرجاء كانوا كيحتجوا غير كانوا كيحتجوا مع
عرفتش واش خطا في حق الرجاء اكثر ما خطا في حق بركان، على اي وجه هو اللي كان السبب في هذه المقابله؟ ما تعرفش المسار ديالها يعني كمقابله جميله ما بين جوج فرق كبار، لان حتى التعليق ديالي انا صراحه انا كنبغي الرجاء ونقولها يعني، ولكن هضرت على بركان كفريق كبير، بركان قدم لقاء في المستوى، بركان كان كيستحق ويستاهل ثلاثه ديال النقاط. شكرا ميرسي على هذا الموضوع. انا بالنسبه ليا بركان سي بلو بركان ديال 4 ans، بركان سي لونتون اكتيفون، بركان هي عندها سبيل ديالها في الكونتينون افريكان، المباراه القانيه كاين لاعبين في المستوى، المباراه كانت تكون اجمل. انا ما نهضرش على الحكم يقدر يغلط، غير الفو اون بيرسوناليتي، لان في هذا لو جونغ دو ماتش اوزمون كي تلعب هنا، لانه كتكون عندنا في كومبيزمون خاص كان غتكون عارف يعني. اذا حنا درنا اللي علينا، اوني شويه اوهور مي با ساتيسفي على دو ريزولتا. نرجع لك سؤال ديال 3 بوان، كنظن بان الرجاء دار بوكو دابسونس لي كادر ما كانوش، وما غلقاش واحد الرجاء في هذه الحاله مره اخرى. اذا فانا كنا غنستغلوا هذا، ولكن ما تراجعناش. الرجاء مالغري ليكسبيسيون دي بانون ايزون بريسي ايزون جوي ان تو بور تو دو لو سيستيم دو جو ديالهم، من لو 4-2-3-1 جول 3-5-2 تيم 3-5-1 ضد البانون. مي انا ما نقدرش نحكم على الفيناتي واش كاين ما كاينش، كتبقى السلطه التقليديه ديال الحكام، ومع اننا نحترموها، ولكن انا في الاول ديالي جي بيردي دو بوان. سي منير، الطريقة باش لعبتوا اليوم تتبين بأنكم وجدتوا الماتش بواحد الطريقة خاصة، ربما نكون أنا خاطئ، وربما واش حتى الملعب كان له لعب واحد الدور كبير في التألق ديال بركان. أنا بالعكس ما كانش بريباراسيون خاصة، بالعكس أنا نقول لك أننا بحال اليوم كنا في تونس، لعبنا لا تونيزي، لعبنا الاتحاد الليبي كراكاو، لعبنا ميركوري جديدة، ونجو ديما ديمونش الرجاء، ألوغ كو نورمالمون اللي كنعرفو حنا في لو ريتم نورمال ديال البطولة ديالنا، خصنا اليوم نلعبو على كتابو هاد جديد. دونك سيتي بلوس ريكوبيراسيون اي تيوري اي فيديو كو على شكل الديرني ماتش كونتخ برشي، زافي لاغيف خصنا نكونو فرون. الرجاء ils ont fait un très bon match, ils avaient de la réussite pour le prochain tour. Chna, les points forts de Raja, je ne peux pas dire points faibles, mais plus les points gagnés, les mécanismes d'Ozo, les mécanismes comment déjouer le Raja, comment les d'Ozo. Quand on a une préparation normale, on n'avait pas de séance d'entraînement spéciale d'Axe. Quand la récupération, on a joué la mercredi. Le voyage qu'un vendredi, c'est une séance de samedi. Les joueurs ils sont, soit là, le bonjour, ou leur affiche qui dit, soit on a ou on n'a pas le ballon, ils savent quoi faire avec le terrain. Alhamdoulilah, le groupe, mais le barème de l'internet, la vie de vestiaire, c'est une graisse. Donc, comment je vais faire sortir les joueurs? D'accord. C'est Jawani. Concernant la question d'Iman, concernant le coach, l'Iman qui brille trop le tirant, ou l'équipe qui est d'argent, il y a des gens qui ont le joueur adversaire très bleu, il a acheté, qui a des interventions, alors que la question d'Iman, qui a eu d'Iman avant la réponse. Il y a des nouveautés ou bien. Tout d'abord, là, imagine vous là, je ne suis pas encore coach. C'est toujours entraîneur. D'accord, entraîneur. Je travaille de terrain, je suis un homme de terrain, je travaille. Oui. Je pas de... Mais attention, coacher un match, c'est pas facile. Quand j'ai la région, je suis dans la pied, je suis dans la pied, je suis dans la pied. Mais, j'ai la parole, j'ai roulé comme ça. Quand on vient là, avec l'expérience, on a un par rapport au temps. Quand on vient là,
Et je ne dérange pas les joueurs concrets. Je fais un analyse des qui sont habitués à ma façon de coacher. Quand on dit que nous, dans le futur, nous sommes en mais pour l'instant, ce n'est pas facile. Ils ont tout fait les joueurs, sauf la remise d'un arrêt où on mérite, on a été puni. Elle a gagné un autre jour. On touche le score. Quel marque d'autres buts. C'était la première mi-temps, la deuxième mi-temps. Mais on a été puni par le. Je comprends.